Hop 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 hop, hé hey. Dites donc, c'est quoi ce générique là? Vous m'avez pris pour Giralda le cochon et autres Digidix? Moi monsieur, je mange pas de ce pain là. Allez, mettez-moi un vrai générique. Jean-Luc Mélenchon, tu fais la meilleure émission. Tu es mieux que Squeezie et Cyprien Guéry. Qui nous fait la voix? Jean-Luc, tu es le king. Si tu veux porter mes enfants, je file mon dérosis. Ah ben voilà, voilà un véritable générique avec des vraies mélodies, avec des vraies sonorités, pas comme avec toutes ces chaînes gaming qui commencent avec une espèce de dubstep, on sait pas d'où ça vient. Ça, c'est de la vraie musique, monsieur. Et je compte bien vous en faire profiter. Je ne vous salue pas, bande de sales capitalistes. Hein, toujours à regarder les vidéos du Triceratops pas content ou je sais pas qui. Aujourd'hui, on va jouer à Mad Max. Bon, ça vient, oui ou merde? Depuis des années, je le dis que les temps de chargement, c'est une invention de l'oligarchie pour rogner sur le temps de loisir des ouvriers. Depuis le temps, je le dis. Ah ah, profitez bien de vos logos Warner Bros. Avalanche Studio, hein, à coup de manche de pioche, on va vous les déloger vos studios. Bon alors, dans Mad Max, le principe... Oui, je dis Mad Max, c'est mon jeu, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Bon, je disais, dans Mad Max, le principe, c'est de créer un goulag autogéré dans un monde où Donald Trump a été élu. Oui monsieur, c'est ça la France de 2017. Haha, on les entend moins vos grandes gueules de climato-sceptiques, hein? Quand le soleil de midi aura fait fondre toutes vos tignasses et vos chevelures. Ben c'est ça la France, regardez, vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ressemble la Seine-Saint-Denis en 2017, monsieur. Et pour ce faire, je vais utiliser la Mélenchon Mobile, la voiture qui me permet d'écraser sans scrupule les enfants des bourgeois qui sortent de leurs écoles privées catholiques. Vous reconnaissez cet endroit? Eh ben c'est le bois de Vincennes, ça a bien changé, hein? Ah bravo la COP21. Voilà, à force de mettre des papiers gras dans la poubelle verte, ben voilà ce qui a fini par arriver. Hein? Hein? Et je vous parle même pas de la poubelle jaune. Haha, j'ai trouvé des skins. Allez, je vais vous déloger votre voiture sans permis. Prenez ça, bande de sales fascistes. Quoi, t'as un problème, monsieur propre? Mais bon Dieu que c'est moche ces voitures, on dirait des Vélib. Hein? Le seul qui a droit de faire du tuning ici, c'est moi. Allez, à la casse. Moi, je suis dans l'écologisme agressif. Je récupère des pièces qui viennent de voitures qui sont encore en état, même si je dois niquer la couche d'ozone. Allez, et les pièces qui sont dessus, eh ben je les récupère pour mon goulag autogéré, allez. C'est quoi, des carburateurs? Eh ben ça fera des jouets pour les gosses. Oui, parce que les jouets des enfants de bourgeois, on les met à l'avant de nos bagnoles pour faire joli. Ça c'est Jean-Kevin Bolloré, ça c'est Lilou Gattaz, ça c'est Jean-Farid El Khomri. Eh, elle est pas belle ma collègue? Et même que des fois, eh ben les autolives des fascistes, eh ben je les ramène chez moi dans mon goulag autogéré. Parce que je fais la collection des voitures de fils de pute. Hein, voilà. Bon, je l'avais déjà, ben c'est pas grave. On n'a qu'à les repeindre et les vendre sur le bon coin. Tenez, j'ai une petite anecdote pour vous, parce que je vous vois là en train de vous demander pourquoi je joue à Mad Max. C'est parce que l'acteur là qui joue le rôle dans le film là, vous savez, le religieux homophobe alcoolique et prétentieux, enfin l'Australien, oui, Mel Gibson, et ben figurez-vous que son nom entier, c'est Mélenchon Gibson. Haha, vous le savez pas ça, hein? Hein? Il aurait pas pu entrer dans Hollywood s'il avait gardé son nom de jeune fille. Haha, sale fasciste, le peuple aura ta peau. En plus, dans ce monde apocalyptique, il y a encore les caméras de surveillance de Manuel Valls à chaque coin de rue. Je t'en foutrais, moi, les White et les Blancos, Manu. Social traître. Et avec la pénurie d'essence, figurez-vous. Vous savez ce qu'on utilise comme carburant? On utilise le sang des bourgeois, eh oui. Hein, regarde, Bolloré, ce que j'en fais. De ton pancréas. Eh ben, je le mets dans mon réservoir. Bon, et là, j'ai envoyé Facho 8-12-12 pour savoir qui étaient les fascistes dans ma région. Et je les ai trouvés. Et je vais les déloger. Haha, mais c'est qu'ils sont hostiles, les bougres. Mais rien à foutre. Avec ma Mélenchon Mobile, je pète tout. Surtout vos petits culs. Quoi, mon micro sature? Et ben Martin Luther King aussi, son micro est saturé. Hein, et pourtant, I have a dream aussi, moi. Et comme vous avez très certainement pu le lire dans le manga de David Chaban, disponible aux éditions Lulu, et ben je fais du Kung Fu. Du coup, les faf, et ben je leur donne des baffes. Je vais vous faire passer l'envie d'écouter du Légion 88, bande de fascistes. Quoi, même les portes freinent la progression du peuple maintenant? Mais je vais te péter ta sale face. Fallait s'y attendre, même le mobilier vote à droite chez les fachos. Bon allez, après l'effort, le réconfort. C'est vrai qu'avec tout cet apocalypse, y'a plus que de la bouffe pour chien. Mais au moins, ça, c'est Charlie, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Haha! Une photo souvenir de vos festivals de musique néo-nazi où vous avez laissé traîner vos vieilles capotes usagées après avoir forniqué avec des animaux de la ferme. Haha! Je vous reconnais bien là, bande de tartuffes! Allez, un petit cocktail Molotov bien placé sur votre réserve de Viandox. Et c'en est fini de votre cantine associative pour jeunesse hitlérienne. Allez, le cul-de-sac. Au bûcher, le cul-de-sac. Allez, allez, c'est fini. Allez, au goulag, tout ça.
Bon, elle est où la sortie, là, maintenant? Bah, ça m'énerve, ça, ces jeux. Bon, ça doit être de ce côté. Mais saute! Mais saute! Mais tu vois bien que tu peux sauter! Ah! Ce jeu de fasciste qui est en train de me faire perdre mon temps, qui est en train de me faire devenir fou! Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi ça s'appelle Mad Max! C'est parce que ce level design, c'est du caca en boîte! Hein? Tous ceux qui ont essayé de finir ce niveau, ils sont devenus fous! Ils sont devenus cinglés! Hein? Ils ont acheté le coffret double DVD de Black M! Ils sont devenus tarés! Bon, allez, j'arrête là avec ce fascisme vidéoludique! J'ai pas envie de devenir un cinglé comme vous! Bon, allez, je me calme. Vous savez quoi? Ça fait 2 ans que je m'étais pas remis à ces vidéos! Et je comprends pourquoi j'avais arrêté. Mais vous savez quoi, je vais revenir pour dénoncer tout le fascisme vidéoludique. Hein? Et vous pouvez croire que mon retour, il va être fracassant. Allez, générique! On s'est bien marré devant cette émission. J'espère que t'as kiffé et que t'as mis un coup de fer. Aussi, c'est sympa, sinon je mets toute ta famille au couloir.